Le PNUD adresse la question à travers les programmes que nous avons en place au niveau de la RDC, notamment les programmes aussi bien au niveau upstream, qui sont au niveau vraiment qui adressent des questions institutionnelles et également des questions liées à la paix, avec des mécanismes que nous avons en place, avec le soutien de certains partenaires pour pouvoir vraiment faire face à ces enjeux-là. Des programmes qui permettent d'appuyer à la base, au niveau local, à travers nos programmes de stabilisation. Des programmes de stabilisation pour adresser également les questions qui vont permettre aux populations d'être quand même relevées de ces crises à travers des réinsertions communautaires, qui peuvent également contribuer à adresser ces questions de sécurité, de paix et de cohésion sociale au sein des communautés. Nous avons également nos programmes qui adressent tout ce qui concerne la justice, avec l'appui que nous apportons aux institutions, aux magistrats, à la sécurité police, pour pouvoir vraiment les renforcer leurs capacités pour être mieux préparés pour pouvoir faire face à toutes ces crises qui sont récurrentes. Et nous voulons vraiment bâtir sur une stratégie long terme, d'appui long terme pour pouvoir aider le pays.